Jeudi Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode des aventures de Miku, et enfin de Miku tout simplement. Et la pauvre, elle est mais crevée de chez crevée. Son lit, enfin sa douche est pétée, j'ai voulu la nettoyer, mais bon voilà, je vais pas m'aider, mais je l'ai abîmée. Donc voilà, j'ai juste à remplacer parce que ça coûte pas cher, donc voilà. Donc j'ai installé ce qu'on a eu, donc le petit laboratoire. J'ai installé une lampe aussi qu'on avait eue, et j'ai installé aussi un petit poster, donc voilà. Si je le contemple, ça peut me donner des idées, enfin voilà, je peux le transformer aussi, donc voilà. Rien de bien fou, donc pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent, bah déjà allez le voir, hein, et si vous l'avez loupé, bah qu'est-ce qui s'est passé, je peux t'y résumer. Bah donc on s'est fait amis avec une nouvelle Simset, on s'est fait un petit peu copine avec lui, on a ajouté des gens dans notre groupe, et on a également fait une belle promotion. Donc voilà, c'est assez cool. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 8 découvertes. Donc je vais encore en faire 2. Et donc bien réussir, bien avancer dans mon métier. Donc ici, je vois que je peux bidouiller et faire une expérience. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc ici, Miku, elle dort, elle travaillera encore, je pense, oui. Hein. Elle travaillera, donc elle a 4 jours de vacances disponibles. Oui, 4 jours de vacances. Oh là là, pauvre, elle est pas du tout en forme. Hein. Commence dans une heure. On va vite la faire, vite faire quoi? Ben, elle va faire quoi? Elle a sa guitare sur elle? Oui, voilà, elle va s'entraîner pour un peu grimper dans son truc. Et essayer de grimper son divertissement. Bon allez, on y va. Je crois que... Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire une 7e découverte, améliorer le rayon Sims pour changer de tenue? Oh, on peut faire ça? C'est quoi? Donc c'est le rayon Sims, c'est ça? Concert d'impulsion. Aérolampe. Je crois que c'est ça. Voilà, ouais, on va modifier ça, donc on peut changer de tenue. Oh ouais, moi je veux trop faire ça. Ça serait mais trop bien. Tu dis ça, pim, tu mets un truc et boum, t'es tout changé, t'es tout canon. Mais t'es tout moche, voilà, je sais pas, on testera ça peut-être. À mon avis, on testera ça. Oula, il a pas l'air en forme le robot. C'est bon? C'est fait? Est-ce qu'il est... Oula, il a pas l'air... Oula là, il est pas en forme. Oh la main, je l'ai pété. Oh là là, je l'ai pété, ça craint ça les gars. Oh merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allez, hop, on répare ça. Bon. Chercher des pièces et puis jeter, voilà. Voilà, et on va jeter tout ça. Et rassembler des idées. Donc ça serait bien si je pouvais faire une nouvelle découverte en rassemblant les idées. Oh mais purée, l'autre là qui m'a abîmé le bordel. Bah écoutez, hop. Moi je vous dis, ça ne coûte rien remplacer, hein. Voilà. Hop, on va rassembler des idées. Voilà, ouais. Fais une découverte, ça serait génial. Oui, ça s'est fait, mais elle n'a pas fait de découverte, hein, dommage. Ordonner un collègue de jardiner. Mais oui, mais tu vas jardiner. Je t'ordonne de jardiner, ma gueule. Plus de choix, ordonner jardiner, voilà. Je suis ton supérieur, va jardiner. Va jardiner. Merci. Pierre Fournier, c'est qui? C'est lequel de vous deux? C'est toi? Oui, c'est toi. Donc, je dois discuter du travail. Discuter du... Se vanter de sa promotion. Moi, monsieur, j'ai eu une promotion. Ok. C'est tout à fait le genre. C'est quoi ces Sims qui sont cons comme des balais et qui nous pètent tout le bordel? Voilà, utile le microscope pour faire des recherches. Utiliser, je fais ça.
Ça va, t'y es? Ah oui, mais ça grimpe son divertissement en plus, je joue avec le microscope. Ok, faire une expérience. Donc on contemple une œuvre d'art aussi. Oui, j'ai un peu levé les murs pour un peu regarder. Il n'y a pas d'œuvre d'art ici. Ah! On a fait une découverte! Ou on va en faire une? Ah, ça serait super! Yes, les amis, on a fait une découverte. Ça, c'est génial, ça. Inventer une antenne satellite. Oh, je vais rester plus longtemps. Rester tard. Je veux inventer... inventer un appareil. Antenne satellite, métro. Allez, arrête. Allez, vas-y. Va inventer le truc. Puis, par contre, il faudra qu'elle aille aux toilettes. Ça va devenir un petit peu urgent, les amis, là. On pourra peut-être mettre ça chez nous pour avoir une plus de chaîne peut-être. Allez vas-y, fais ça bien petit robot. Oui, c'est trop bien. Hop, on les garde chez nous. Voilà, c'est fait. Voilà, ça c'est bien. Contacter des extraterrestres. Ouais, ça pourrait être trop cool le gars. Ça pourrait être trop cool les amis. Oui, c'est trop cool. Faudra qu'on essaie de se faire un petit laboratoire vraiment chez nous, une pièce avec un ordinateur et tout. Oh, ça pourrait être trop bien. Désolée, je suis un petit peu... Ouh, mais sinon, mais je trouve ça tellement cool. Oh là là, dépêche-toi. Allez, dégage. Dégage! Bah oui, je t'en prie, hein, pisse devant tout le monde. Bon, elle a eu une idée en allant pisser. C'est quoi ce truc? Voilà un prémisse d'idée, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas c'était chelou. Je suis sur le pot, je coule un bronze et c'est très cool. C'est un peu ça. C'est un peu ce qui s'est passé. Ouais, c'est complètement ce qui s'est passé en fait. C'est très bizarre. Par contre ses performances sont pas tip top à mon avis. Prochain truc, Ouais. On voit pas trop. Voilà. On a gagné des sous, je reprends chez elle. Re, les amis. Donc, on va vite installer l'antenne. Je vais juste vite arroser mes trucs. Parce qu'en plus, ça peut nous faire gagner une nouvelle idée. Il y a peut-être moyen d'avoir notre 8e découverte. Donc, ça peut vraiment être chouette. Voilà, arrose bien les plantes, Miku. Ma petite Miku chérie d'amour. Voilà, c'est bien. C'est très très bien. Ah, elle est concentrée. Voilà, c'est bien. Par contre, je vais contempler l'œuvre d'art ici parce que je pense que ça peut lui faire trouver peut-être quelque chose. C'est susceptible de lui faire trouver des idées. Ok. Ça pourrait être super cool. Donc oui, ah c'est bien, on a bien avancé. Ça serait bien qu'on fasse une autre découverte. Oui, aussi mettre, on va mettre le truc. Je sais ce qu'on va faire. On va poser notre antenne quelque part. On va poser notre antenne ici. Voilà, comme ça. Parce que vous en pensez, ça me semble pas mal. Par contre, les amis, j'ai très envie de faire quelque chose. Je vais juste agrandir. J'ai une idée. Je vais agrandir sa maison un petit peu. Parce qu'il y a clairement moyen de faire ça, de faire un truc bien. Ouais, je vais vraiment agrandir. J'aimerais vraiment... Hop. Regardez quand même les petites plantes qu'on a là. Voilà, hop, on va agrandir cette pièce. Non,
mets encore une là. Hop. Voilà. On va l'agrandir. Hop. Voilà. Et on va poser. On va poser. Non, là, on agrandit encore un petit peu. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais. On va mettre ça ici sur le côté. La poubelle. On va mettre un toit. On va le rentrer comme ça. On va le passer comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. On va... hop. Voilà. Et on va faire ceci. Voilà. Ensuite, on rentre dedans. Et je crois que je vais installer un mur supplémentaire. Une pièce, est-ce que je peux le faire, vous pensez? Non, je peux pas le faire, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je vais juste mettre une lampe en plus ici et ça sera très bien. Quand on aura des sous, on essaiera de couper un peu plus la pièce. Voilà, mettre notre arbre ici. Voilà, c'est très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Influencer tout le quartier, empêcher les enlèvements. Waouh. Ah ça les gars, on essaiera de faire ça. Attendez, on va la faire dormir parce qu'elle est crevée. Mais faudra vraiment qu'on teste ça avec les extraterrestres. J'ai trop envie de tester. Influencer tout le quartier. Et c'est quelque chose d'énorme. Ces objets sont géniaux en fait. Et en fait, la guerre scientifique, en fait, je l'ai vraiment choisie. Juste pour les bonus qu'elle pouvait nous apporter en jeu, parce que franchement, ça peut être franchement bien. Enfin, les petits objets vraiment très sympas qu'on peut avoir. Ouais, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Je vous l'avoue. Oui, elle a fait sa 8ème découverte, c'est génial! Ah, je suis grave contente, les gars. Ah, ça, c'est trop bien. Et je vais continuer en même temps de jouer de la guitare. On va s'entraîner en même temps pour grimper notre truc. Et on va sûrement encore aller une petite journée de boulot pour vraiment avancer. Boulot, 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 boulot. Et à mon avis, dans le prochain épisode, je vais prendre un jour de congé. Ouais. Je vais prendre un jour de congé pour qu'on puisse tester l'appareil avec les extraterrestres. Les amis, une fenêtre vient de s'ouvrir tout pile là quand j'arrive au travail. Choix moraux. Il vient un moment... où il faut choisir entre devenir un scientifique bienveillant ou un scélérat doté de connaissances, le bien ou le mal. Ce genre de choses. Enfin, ce genre de choses. Allez-vous aider les autres scientifiques ou contrecarrer leur projet à la moindre occasion? Mais j'ai envie de les aider, moi, perso. J'ai envie de les aider, j'ai pas envie d'être... Oh, ok. Mentir, non, j'ai pas envie de mentir. Ok, je viens de comprendre. Je demande un cristal. On va continuer à demander des choses quand même. Mais on ne va pas... on ne va pas leur mentir. Ah t'as pas? Bah dis-moi de moins en moins. Waouh, tu viens de pas un métal aussi sur toi par hasard? Demande à Romain Fournier, c'est lequel encore? Je retiens vraiment pas, je crois que c'est lui. Oui, demandez comment s'est passée sa journée. Non, j'ai vraiment envie d'être gentil. Du travail. Ah ok, voilà, c'est fait. Travailler sur la fusée.
dois encore rédiger des résultats de recherche maintenant. Hop. Désolée si c'est plutôt calme, hein. Désolée, c'est comme ça. Ah, je peux acheter des pièces d'amélioration. Carrière. Voilà. Ça qu'il faut que je fasse. Allez, bouge-toi. Ah, elle a l'air vraiment pas bien massive, ça. Je crois que je vais l'utiliser pour un peu faire gagner du truc et ça pourrait être bien. Bon, okay, écoute, bah, écoute, je joue. Hein, parce que là, elle est vraiment pas bien. Bah, on peut se la faire se détendre parce que là, ça va pas aller sinon. Oh, c'est quoi ce coup de stress qu'elle va se prendre là d'un coup? J'ai pas compris pourquoi ce qui vient de se passer a baissé d'un coup, je sais pas si vous avez vu. Donc, raconter des ragots avec Aurélie. Où est-ce qu'elle est Aurélie? Sur l'ordi? Sur l'ordi. Amical, raconter des ragots, y a pas ça? Attendez, il faut vraiment que je mette encore de nouveau la pause. Non, j'ai pas envie de la transformer. J'ai pas envie de faire connaissance, on se connaît déjà assez, c'est bon. Hein, pas raconter des ragots. Ah voilà, raconter des ragots. Ok, ok, d'accord, t'as la dalle, j'ai compris. Acheter un Lanka. Pas pré-cuisiner, ça sera bien comme ça. Notre pauvre Miku a faim. Vous savez que oui, quand on voit sa barre de faim. Allez, mange. Ne traîne pas comme ça. Oh, mais j'aurais pas le temps de raconter des ragots. Je veux raconter des ragots. Laisse-moi raconter des ragots. C'est question de promotion. Voilà, moi je vais. Voilà, hop. Et je vais pas exagérer aujourd'hui, il va pas rester jusque trop tard, j'ai pas envie. Mais tu vas raconter ta vie, oui ou merde. Allez. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est Sims. Vous m'énervez, les gars. Ah, mais c'est ça, mais oui, vas-y. D'accord, ok. Bon. Ben... 432 seulement, on en veut plus la fois passée, c'est nul. Bon, ben je vous reprends chez elle. Re, les amis. Ben, on n'a pas eu grand chose, hein. On n'a pas eu grand chose, c'est dommage. Bon, ben écoutez, vous savez quoi? J'ai vraiment envie d'amuser avec ça. Peut-être même qu'ils nous enlèveront. D'accord, ok. Oh, si Miku tombe enceinte, j'ai le seum. Si Miku tombe enceinte, j'aurais mais trop le seum. Bon, on va rentrer à l'intérieur. Hein. Changer de tenue. Quotidien 1. Voilà. Et j'ai très envie de terminer cet épisode en avançant, en s'entraînant, voilà. En s'entraînant avec notre truc, ça pourrait être très cool. Waouh, on va peut-être se faire kidnapper par les extraterrestres, les gars. Ça va être un truc de fou. À mon avis, ouais, à mon avis, les gars, je pense que je vais vous laisser. Hein, et qu'on va dans le prochain épisode sortir, peut-être s'occuper de notre jardin. Et que par hasard, eh bien, des créatures venues du ciel vont nous abducter. Si vous ne connaissez pas ce terme, bah, c'est se faire kidnapper par les extraterrestres. Voilà, c'est un verbe qui existe, oui. Peut-être que voilà, peut-être qu'on va se faire choper par des petits hommes verts.
Et on verra. Donc voilà. Bon, en tout cas, les amis, je vous fais des bisous. Et je vous dis, eh bien, à la prochaine fois. Ciao, ciao. We'll be right back.